Greetings, friends. Salutations mes amis. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le sujet passionnant de croître en Christ. Qu'est-ce que cela signifie et comment cela se passe-t-il? Vous voyez, la croissance prend du temps. Nous le constatons dans de nombreux aspects de la vie. Si vous avez déjà planté un jardin, vous savez qu'il faut du temps et des soins avant de pouvoir profiter des fruits de notre travail. Lorsqu'un enfant naît, il faut de nombreuses années de soins attentifs et de croissance avant qu'il ne devienne un adulte à part entière. L'amitié est un autre exemple. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, il faut du temps et de l'engagement pour que la relation se développe. Mais plus vous vous investissez dans cette relation, plus vous vous rapprochez. Croître en Christ est un merveilleux privilège que nous avons dès que nous acceptons l'incroyable cadeau de Dieu, le salut par Jésus. C'est ainsi que nous pouvons mieux le connaître et lui ressembler davantage. Et cette nouvelle vie en Christ commence par une dichotomie étonnante. Elle commence par la mort. La mort du Christ sur la croix rend notre nouvelle vie possible. Dans la précieuse parole du Seigneur, en Colossiens chapitre 1, versets 13-14, nous lisons. We read this in God's precious word. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Et Romains 8:1 nous assure. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Mais marcher selon l'Esprit exige une autre mort, la mort de soi-même. Dans Galates 2:20, Paul explique, « J'ai été crucifié avec Christ. » Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Plus nous nous rapprochons du Christ, plus nous l'aimons. Et plus nous l'aimons, plus nous voulons être comme lui. Mais comment cela fonctionne-t-il? Nous lisons cette belle explication dans Jésus-Christ à la page 154. Quand l'Esprit de Dieu prend possession d'un cœur, la vie est transformée. On met de côté les pensées de péché, on renonce aux mauvaises actions. L'amour, l'humilité et la paix succèdent à la colère, à l'envie, aux querelles. La joie remplace la tristesse et le visage reflète la lumière céleste. Personne n'aperçoit la main qui soulève le fardeau. Personne ne voit la lumière qui descend des parvis célestes. La bénédiction est acquise quand une âme capitule devant Dieu. Alors, une puissance invisible crée un être nouveau à l'image de Dieu. Quel Dieu étonnant et aimant nous servons qui peut provoquer une telle transformation. C'est Dieu lui-même. Ce concept de croître en Christ est si important qu'il constitue l'une des croyances fondamentales des Adventistes du septième jour qui se lit comme suit. Donc, croyance fondamentale numéro 11, croître en Christ. Par sa mort sur la croix, Jésus a triomphé des forces du mal. Lui, qui a soumis les esprits démoniaques durant son ministère terrestre, a brisé leur pouvoir et a rendu leur ruine définitive. La victoire de Jésus nous rend victorieux sur les forces du mal qui cherchent toujours à nous dominer, alors que nous marchons avec lui en paix dans la joie et l'assurance de son amour. Le Saint-Esprit habite maintenant en nous et nous rend plus forts. Engagés en permanence avec Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous sommes libérés du fardeau de nos actions passées. Nous ne vivons plus dans les ténèbres, plus dans la peur des pouvoirs maléfiques,
plus dans l'ignorance et la vanité de notre ancienne manière de vivre. Dans cette nouvelle liberté en Jésus, nous sommes appelés à croître dans la ressemblance de son caractère. Alors que nous communiquons chaque jour avec lui en prière, en nous nourrissant de sa parole, en la méditant sur elle et sur la providence divine, en chantant ses louanges, en nous rassemblant pour lui rendre un culte, en participant à la mission de l'Église. Nous sommes également appelés à suivre l'exemple du Christ en nous efforçant avec compassion de répondre aux besoins physiques, mentaux, sociaux, émotionnels et spirituels de l'humanité. Alors que nous nous donnons nous-mêmes dans un service d'amour à ceux qui sont autour de nous et en témoignant de son salut, sa présence constante auprès de nous par l'Esprit transforme chaque moment et chaque tâche en une expérience spirituelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette croyance fondamentale, je vous encourage à visiter le site indiqué ci-dessus. En conclusion, je voudrais juste partager brièvement quatre éléments essentiels et pratiques pour croître en Christ. Le premier, prier. Dans Colossiens 4, 2, il est écrit ceci. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. C'est par la prière que nous entrons en contact avec Dieu, en lui parlant comme un ami et en écoutant ce qu'il a à nous dire en tant que bon Père céleste. Deuxième, lisez la Bible. La Bible est notre guide fidèle. Il nous est dit dans 2 Timothée 3, 16, 17 que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Troisièmement, appliquer ce que nous apprenons. Nous ne devons pas seulement lire la Bible, mais aussi faire ce qu'elle dit. Jacques 1, 22-25 explique « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais c'est lui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Quatrièmement, rencontrer d'autres croyants. Dieu nous a conçus pour nous encourager et nous renforcer mutuellement. Séparés du corps, il est plus difficile de maintenir un lien spirituel vivant. Ensemble, nous sommes plus forts. Dans Hébreux 10, 23 à 25, nous lisons ceci. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à des belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Mes amis, vous n'êtes pas seuls. Alors que vous croissez dans le Christ, n'oubliez pas qu'il vous aime et qu'il prend soin de vous. Il est mort pour vous libérer de l'esclavage du péché et pour vous donner le don non seulement de la vie éternelle, mais d'une vie nouvelle en lui, dès maintenant. Il habite en vous par son Saint-Esprit, vous parle par la prière et vous guide par sa parole. Il vous encourage à rencontrer d'autres croyants et à aimer et servir les autres. Et maintenant, remercions-le dans la prière. Père Céleste, merci pour cette grande opportunité de nous connecter avec le ciel, non seulement sur une base quotidienne, mais moment après moment, par la prière et par la compréhension de ce que ta sainte parole nous dit. Comment nous ne devons pas être de simples lecteurs de la parole, mais la mettre en pratique. Ainsi, Seigneur, toujours par la puissance du Saint-Esprit, anime-nous, remplis-nous,
vis en nous et aide-nous à accomplir ce que tu nous as réservé pour ton Église du reste, alors que nous arrivons à la fin des temps et que nous approchons de la deuxième venue du Christ. Merci de nous avoir écoutés et merci pour le privilège de croître en Christ alors que nous nous connectons avec lui chaque jour en acceptant sa justice qui justifie et sauve. Nous le demandons au nom du Christ. Amen. Sanctifying righteousness. In Christ's name we ask it. Amen.